Quand ma belle a eu 30 ans, 30 ans c'est pas tous les ans. Je me suis dit je vais lui faire un cadeau d'anniversaire. Quand ma belle a eu 30 ans, puisque c'est pas tous les ans, je me suis fendu, j'ai offert une petite centrale nucléaire. Une petite centrale nucléaire avec tout le nécessaire. Un modèle à toute épreuve, garantie pièce et main d'œuvre. Dans un emballage cadeau, un beau refroidisseur d'eau en vrai béton naturel avec gravé au burin. Nucléaire plus qu'hier et bien moins que demain. Quand ma belle a eu 30 ans, 30 ans c'est pas tous les ans, je me suis fendu, j'ai offert une petite centrale nucléaire. Quand elle a vu ça ma belle, elle a laissé sa vaisselle, elle est sortie de la cuisine, je m'en vais chercher les voisines. Quand les voisines ont vu ça, elles en ont perdu les bras. Elles ont dit Dieu qu'il a fait une petite centrale nucléaire. Une petite centrale nucléaire avec tout le nécessaire. Un modèle à toute épreuve, garantie pièce et main d'homme. Dans un emballage cadom, quatre crayons d'uranium et un petit mémorandum, comment faire du plutonium. Plutonium, le confort at home. Miam. Quand elle a vu sa mavelle, elle a laissé sa vaisselle. Elle a dit Dieu qu'elle a fait une petite centrale nucléaire. Quand on a eu la migraine, on s'est dit c'est la trentaine. Et puis comme ça tout d'un soir arrive un drôle de brouillard. Brouillard, v'là le chat qui perd ses poils et le poisson qui s'écaille. On s'est dit y'a rien à faire, faut faire venir un expert. Un petit expert nucléaire avec tout son nécessaire. Un expert à toute épreuve, garantie pièce et main d'œuvre. Il a regardé les soudures, il a dit il y a des fissures, il y a des pépins dans le noyau. Et le noyau noyé donc, faut évacuer l'immeuble. Surtout pas toucher aux meubles. Vous n'avez qu'une chose à faire, vous défaire du nucléaire. La la On s'est retrouvés dans la rue, sans abri, presque tout nu. Et les autres locataires qui nous regardaient de travers. Alors ma belle tendrement m'a embrassé en disant après tout ça, moi je préfère un joli miroir solaire. Un joli miroir solaire au prochain anniversaire. Un miroir réfléchissant où je pourrais me voir dedans. Ça ne fait pas de poussière et ça ne fait pas d'accident. Et ça détend l'atmosphère et ça ne fait pas peur aux gens. Cœur des électriciens. Ça ne fait pas de poussière et ça ne fait pas d'accident. Et ça détend l'atmosphère.